tous, merci d'être présents ce soir. Je sais que ce sont des vacances scolaires et qu'il y a beaucoup de grands-parents qui n'ont pas pu venir, et de parents sans doute aussi. Donc nous allons nous retrouver pendant un peu plus d'une heure pour parler de cette rencontre, de ce dialogue entre le prêtre et l'imam qui fait l'objet du livre que vous avez en vente à l'entrée. Nous écouterons d'abord deux ou trois interventions, l'une du père Ricard sur le pourquoi de l'attention de l'Église à ce dialogue et sur les 40 ans de dialogue avec le service des relations pour l'islam, avec l'islam, pour l'épiscopat. Ensuite, je dirai un mot sur le dialogue à Bordeaux. Mahmoud Doua dira de son côté. Et puis après, on passera aux questions avec nos deux auteurs. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole au père Ricard. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je remercie beaucoup nos deux conférenciers de ce soir, donc le père Christophe Oukou et l'imam Tarek Oukou, de m'avoir invité à évoquer rapidement l'horizon sur lequel s'inscrit cette rencontre de présentation de leur livre « Le prêtre et l'imam ». Nous avons fêté, il y a un mois exactement, le 40e anniversaire de la création du secrétariat pour les relations avec l'islam par la conférence des évêques de France. En fait, c'est en 1971 que le conseil permanent des évêques avait confié à Mgr Gérard Huyghe, qui était évêque d'Arras, et là je cite ce qui lui était demandé, le soin de coordonner en son nom les initiatives concernant les problèmes que pose à l'Église la présence de nombreux musulmans en France et d'animer un groupe composé de quelques évêques et de théologiens spécialisés dans ces questions. Donc un groupe qui allait naître. Deux ans plus tard, en 1973, et donc c'est pour ça que nous avons fêté le 40e anniversaire, naissait le secrétariat pour la rencontre avec les musulmans, qui deviendra deux ans plus tard le secrétariat des relations avec l'islam, le SRI, comme on l'appelle. Cette création intervient, vous pouvez vous en rendre compte, quelques années seulement après la fin du Concile Vatican II. On peut dire que la mise en place de ce secrétariat, finalement, est un des fruits de la réflexion du Concile, et en particulier de cette réflexion qui s'exprime dans la déclaration des relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, le texte qui commence par les mots « Nostra Aetate ». Le Concile, dans ce texte, invitait à une meilleure connaissance des musulmans et à une collaboration avec eux. Cette volonté de dialogue s'est exprimée à Rome par la transformation, c'était en 1984, du secrétariat pour les non-chrétiens en conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et en France par la création de ce service, de ce secrétariat des relations avec l'islam. Ce dialogue entre chrétiens et musulmans a toute une histoire, 40 ans. Et donc, je n'ai pas le temps, si mais, de la développer. Il y aurait bien des choses intéressantes qui seraient pourtant à souligner. Je voudrais simplement dire que ce dialogue s'est développé un peu selon quatre formes. Vous avez quatre formes du dialogue interreligieux, en particulier du dialogue entre chrétiens et musulmans. Première forme, c'est le dialogue de la vie, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des croyants de religions différentes, des chrétiens et des musulmans se rencontrent dans l'immeuble, dans le quartier, au travail, dialoguent ensemble, parlent de leur religion, de leur foi, de leur fête, de leur rite, et éventuellement s'invitent pour un repas ou pour une rencontre conviviale. Dialogue de la vie. Deuxième forme de dialogue, le dialogue sur les problèmes de société, c'est-à-dire comment, chrétiens et musulmans, nous voyons par exemple, la famille, l'éducation des jeunes, le mariage, l'inscription des religions dans
une société laïque comme celle qui est la nôtre en France. Il y a là, c'est un lieu véritablement, je crois, d'échange sur ces problèmes de société. Il peut y avoir, il y a eu des fois, prise de parole publique ensemble et collaboration aussi sur le terrain. Donc ça, dialogue sur des problèmes de société. Troisième forme de dialogue, on peut dire le dialogue sur des questions religieuses, des questions théologiques. Il s'agit là du contenu de notre foi. Comment, par exemple, nous nous représentons l'unicité de Dieu, la personne de Jésus, le salut de l'homme, la communauté de foi des croyants. Voilà, comment chacun, dans notre approche religieuse, finalement, nous parlons de cela. Quatrième forme du dialogue, le dialogue sur l'expérience spirituelle. Il ne s'agit pas là d'un simple échange sur le contenu de la foi, mais bien sur ce que cette foi nous fait vivre comme croyants. C'est-à-dire, c'est l'expérience spirituelle de l'approche de Dieu, l'expérience spirituelle de la prière, qu'est-ce que nous avons à en dire, l'expérience spirituelle du jeûne, par exemple, ou de l'amour du prochain. Voilà quatre formes, donc, qu'a pu prendre ce dialogue entre musulmans et chrétiens pendant ces 40 ans. C'est vrai que pendant 40 ans, l'horizon s'est passablement modifié. Je retiens deux facteurs de transformation du paysage. Premier facteur, c'est l'islam, on peut dire, s'est véritablement installé en France. Au début, je me rappelle, au début de ce dialogue, là, il y a une quarantaine d'années, je veux dire, même s'il y avait, bien sûr, la grande mosquée à Paris, on peut dire que, dans l'ensemble, l'islam était approché par les chrétiens comme étant la religion de travailleurs en transit pour quelques années chez nous. Donc comment leur permettre de vivre au mieux leur foi religieuse dans notre pays? Mais on savait qu'ensuite, ils retournaient chez eux. Or, avec le regroupement familial, l'évolution de l'immigration, l'islam est devenu la religion d'un certain nombre de Français. Une religion qui prend place dans le paysage français. Il a construit des mosquées, il en construit aujourd'hui. Il est appelé à s'inscrire dans le cadre laïque de notre République, avec aussi les problèmes que l'on sait. Voilà. Donc ça, c'est quand même une transformation assez radicale. Deuxième facteur, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes témoins de ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Et donc, des problèmes que rencontrent des musulmans, que rencontrent des chrétiens dans tel ou tel pays, dans des pays arabes, par exemple, ont des répercussions chez nous. D'où les tensions qui traversent aujourd'hui les communautés musulmanes en France et les répercussions que tout cela peut avoir sur la société française. Voilà. Ça aussi, je crois que ça marque l'horizon qui est le nôtre aujourd'hui. Je crois que cette évolution, et en particulier avec ces deux facteurs que j'ai soulignés, rend le dialogue entre chrétiens et musulmans encore plus utile et nécessaire aujourd'hui. Déjà en 2005, le pape Benoît XVI, à Cologne, dans une rencontre avec la communauté musulmane, disait « Le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et musulmans ne peut se réduire à un choix passager. Il est en effet d'une nécessité vitale dont dépend en grande partie notre avenir. » Je crois que là, il y a un engagement net de l'Église dans ce dialogue entre chrétiens et musulmans. En guise d'introduction à ce qui va suivre, je souhaite terminer cette présentation rapide par la lecture de ces quelques lignes du cardinal Thoran dans sa préface au livre de nos deux amis. Il écrit ceci. Par le sérieux de leur engagement, par l'honnêteté de leurs réponses, il nous montre bien que le dialogue interreligieux est bien autre chose que l'enthousiasme du cœur. C'est un engagement qui suppose une certaine ascèse, une discipline et beaucoup de patience.
C'est aussi une remise en question sanitaire, quand nous avons à nous définir comme chrétiens et comme musulmans face à l'autre, c'est toute notre vie que nous devons examiner. Le cardinal ajoute, mais tout repose finalement sur la confiance et l'amitié des partenaires, et tout finit dans une fraternité réaliste et, espérons-le, contagieuse. C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente soirée. Bien, je vais continuer en parlant de cette fraternité. Mais je voudrais évoquer d'abord l'histoire bordelaise. C'est le Mgr Antoine Adolphe Dupuche, qui est né en 1820 à Bordeaux, qui devient le premier évêque d'Alger en 1838, au moment où l'armée française occupe l'Algérie pour la première fois. Il va prendre contact par courrier avec Abdelkader. Abdelkader, c'est l'émir qui s'oppose à l'avancée des Français en Algérie. Et il va prendre contact à la suite d'une manière qu'a eu une mère de famille avec son petit garçon de l'implorer en disant « Demandez la libération de mon mari, un lieutenant de l'armée qui est prisonnier d'Abdelkader. » Et là, Adolphe Dupuche, le père Dupuche, va écrire par courrier, donc, en tant que serviteur de Dieu qui aime en lui tous les hommes, ses frères, pour demander la libération du lieutenant. L'émir va lui répondre. Le dialogue commence. J'ai reçu ta lettre. Tu aurais dû me demander, au double titre que tu prends, de serviteur de Dieu et d'ami des hommes, tes frères, non la liberté d'un seul, mais bien plutôt celle de tous les chrétiens qui ont été faits prisonniers depuis la reprise des hostilités. Bien plus, si tu tendais encore d'en étendre la faveur à nombre correspondant de musulmans qui languissent dans vos prisons. Donc ça, c'est la réponse de l'émir. À la suite de cette lettre, l'évêque va visiter les prisonniers musulmans et leur fait donner du secours. Il faut dire que Mgr Dupuche a immédiatement vu les grands besoins de solidarité qu'il y avait dans l'Algérie occupée, et sa générosité va l'amener si loin qu'il va être perdu de dette et qu'il va démissionner, puisqu'il n'a plus les moyens. En 1845, il était arrivé en 1939, et abandonné par le gouvernement français, rongé d'angoisse, il va revenir en France, et va finir par s'installer à Bordeaux, où il va reprendre à nouveau l'aide. 1845. L'émir Abdelkader est fait prisonnier en 1847, et emmené prisonnier au château de Pau, malgré la promesse de libération qu'avait fait le général qui avait reçu sa pétition. Antoine Dupuche va aller voir son ami au château. Il restera 5 jours à Pau, auprès de lui. Et puis, on va demander à Abdelkader de venir à Amboise, où il est prisonnier de nouveau. Et là, il va passer à Bordeaux. Et le 3 et 4 novembre 1848, Abdelkader passe par Bordeaux, il sera reçu le cours du Chapeau Rouge, il assistera même le soir à un spectacle au théâtre. Mais Mgr Dupuche va partir avec lui sur le bateau pour l'accompagner jusqu'à Amboise, donc jusqu'à Nantes et puis après, et va rester auprès de lui une quinzaine de jours. Vous voyez que cette amitié s'est approfondie. Il ne va pas s'arrêter là. Il va écrire en guise de supplique un ouvrage qui s'appelle Abdelkader au château d'Amboise et qui demande à Napoléon III de libérer, de donner enfin vérité et force à la parole qui avait été donnée par l'officier. L'émir sera libéré par Napoléon III en 1852. Il va partir vers la Turquie et on sait qu'après, au Moyen-Orient, il va permettre de sauver plusieurs milliers de chrétiens qui étaient menacés dans leur vie. Quand on a à Bordeaux une telle histoire, on ne peut pas être autrement branché que sur un dialogue avec celui qui est différent, mais avec qui l'amitié peut se créer. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cet esprit-là, depuis plus de 27 ans à Bordeaux, pour ce que j'en connais, il y a sûrement eu d'autres personnes qui l'ont fait avant. Enfin, depuis 27 ans, nous sommes les uns avec les autres en échange,
en dialogue. Et on a abordé toutes les questions qu'on peut aborder, aussi bien celles qui nous sont communes, d'ailleurs on a commencé par ça, c'est ce qu'il faut faire en général, c'est-à-dire l'éducation des enfants, c'est-à-dire par exemple le soutien scolaire, c'est tout ce qui s'est passé au cours de ces 25-27 dernières années, depuis la guerre en Bosnie, jusqu'aux attentats, jusqu'aux caricatures, enfin tout. Et puis, on a passé un deuxième temps, qui est celui de l'écoute de l'autre, dans sa manière de croire. Et puis, la vie continue. Et depuis, il y a eu le 20e anniversaire d'Assise. On a chaque année la semaine islamo-chrétienne, qui aura lieu le 21 novembre, le jeudi 21 novembre, au Temple du Ha, comme l'année dernière, et où le sujet débattu sera Jésus pour les chrétiens, Jésus pour les musulmans. Donc c'est une histoire qui a démarré bien avant nous, et dont nous sommes un peu les témoins et porteurs aujourd'hui. Pourquoi nous, chrétiens, dialoguons-nous ? Parce que nous considérons que c'est Dieu qui a pris l'initiative du dialogue avec les hommes dès le Premier Testament. Nous ne pouvons pas aujourd'hui éviter le Samaritain, la Syrophénicienne ou le Centurion, parce que ce sont des croyants différents. Vatican II, après des années, des siècles de silence, voire d'ignorance coupable, a ouvert les fenêtres sur nos frères aînés, comme on les appelle aujourd'hui, les juifs, et sur les croyants musulmans qui adorent avec nous le Dieu unique et miséricordieux. Ça, c'est notre impaté. Cette démarche est celle de l'évangile et du bon sens, hors desquels il n'est que peur, mépris et haine. La porte de la méfiance donne accès à celle de la peur, du rejet, du mépris et finalement de la haine. Chrétiens, nous ne pouvons emprunter que les portes de la foi et de l'amour. Pour les ouvrir, nous sommes aidés par l'Évangile et l'enseignement d'Église, celui du Concile, des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et des évêques. C'est signé Monseigneur de Cour, évêque de Nanterre. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Mahmoud, tu veux bien venir dire pourquoi les musulmans dialoguent, et puis ensuite tu mèneras les questions, oui, sur le livre, qui permettront à nos deux amis de répondre et d'éclairer les gens ici. Mais d'abord, tu dis pourquoi les musulmans sont présents dans le dialogue. J'ai proposé on a proposé de célébrer le 40e anniversaire du dialogue islamo-chrétien en discutant du livre lui-même, parce que je considère que le livre du recteur Tarek Obrou et du père Christophe Roucou est tout un programme. Je vais même être un peu ambitieux, c'est même une doctrine pour le dialogue islamo-chrétien. D'abord, Monseigneur, votre présence pour nous est un symbole fort, un soutien pour ce dialogue. Et j'ai proposé à Georges plutôt de poser des questions pour inciter notre public à lire l'ouvrage, parce qu'il mérite d'être lu pour ceux qui s'intéressent au dialogue islamo-chrétien. Et si vous le permettez, j'aimerais poser quelques questions, faire un commentaire sur les livres. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un livre programme, c'est un livre... pas de confrontation d'idées, c'est mon opinion, après vous me dites ce que vous pensez. Hein. C'est même pas une disputation, c'est plutôt tout au long du livre, il y a une éthique et une spiritualité du dialogue, et qui vise à réduire les distances. Vous avez parlé tout à l'heure, Georges, de différence. Je crois que les livres, et je crois le séminaire qu'on anime, d'ailleurs Serge a en témoigné, et Jean-Louis Ploux m'a écrit un email tout à l'heure en me disant qu'il se reconnaît entièrement dans le contenu de ses livres. Le séminaire théologique des prêtres et des imams qu'on anime chaque année veut réduire les distances théologiques entre les chrétiens et les musulmans. On a choisi l'angle théologique pour rapprocher les musulmans et les chrétiens, et les livres d'ailleurs le prouvent. Il y a des différences fondamentales, vous les dites. Quand vous êtes même intransigeant pour les deux. Quand vous abordez que Dieu qui se révèle comme parole devenue lettre, dit le recteur, et vous insistez, parole devenue chair. Voilà une grande différence.
Mais les points communs que nous illustrent aussi sont fondamentaux et je vais vous inviter tous les deux à nous commenter ces textes inconnus, pourtant d'une grande valeur. Je crois que, et vous l'avez dit vous-même, Christophe, que les textes Vatican II, le Concile Vatican II est mieux connu. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental, je dirais même si je n'aime pas le mot révolutionnaire, de reconnaître les musulmans comme croyants en un seul Dieu. Et j'aimerais que vous nous commentiez, est-ce que vraiment aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, c'est la doctrine de l'Église, la croyance en Dieu unique. Mais la question que je pose aux deux, et le Coran aussi l'a dit, je vais poser tout à l'heure la question au recteur sur le Jésus dans le Coran. Est-ce qu'on peut dire, après ces dialogues, qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on peut parler d'une famille monothéiste? Est-ce qu'on peut parler d'un Dieu unique? Parce que c'est ce qui ressort de votre livre, même s'il se révèle différent. Voilà la question que je vous pose. Et au recteur, parce qu'il a abordé brièvement, mais je crois que c'est fondamental, sur Jésus dans le Coran. Vous parlez de Jésus, verbe émanant de Dieu, c'est le Coran qui le dit, et Esprit Saint. J'aimerais que vous nous éclairiez aujourd'hui sur ces deux points théologiques d'une grande importance pour les dialogues islamo-chrétiens. Donc on commence par Esprit Saint. Oui, après j'ai d'autres questions. On commence par la théologie alors. Bon. Alors, quand on dit, comme vous l'avez dit, Mahmoud, est-ce qu'on a le même Dieu? Moi, ma première réponse, souvent, est de dire « on n'a pas Dieu ». Dans la tradition musulmane, vous dites « Allahu Akbar », hein, « Dieu est plus grand que tout ». Donc, moi, je transforme « on ne peut pas mettre la main sur Dieu ». Et le pape Benoît XVI, qui n'a pas toujours bien compris, était bien compris, par les musulmans, au moment de, en septembre 2006, où moi je prenais mes fonctions au Sri, dans un de ses derniers discours, c'était le 22 décembre 2012, est revenu sur le dialogue interreligieux, et il a cette phrase qui se trouvait dans des textes autres, mais qui reprend en disant « On ne possède pas la vérité, c'est la vérité qui nous possède. » Ce qui n'est pas la même chose. On n'a pas, donc à votre question, est-ce qu'on a le même Dieu? La première réponse, c'est de dire, on n'a pas Dieu, on croit en un seul Dieu. Et ça, c'est une affirmation que vous dites, vous les musulmans, que nous disons à la messe le dimanche, nous disons, je crois en un seul Dieu. Mais comme l'ont écrit les évêques de France dans un texte doctrinal, en février de 2008, le texte s'intitule « Comment chrétiens et musulmans parlent-ils de Dieu ?» Je crois que pour nous, pour les uns et pour les autres, Dieu reste un mystère. Un mystère, c'est, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et pour moi, dans ma foi chrétienne, il y a une phrase qui se trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, qui est un peu une boussole dans ma manière de vivre le dialogue avec vous et de conduire la mission que les évêques m'ont confiée. Saint Jean écrit « Dieu, nul ne l'a jamais vu », c'est chapitre 1, je ne sais plus si c'est verset 17 ou 18, c'est l'un des deux, « Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est tourné vers le Père nous l'a révélé. » Dieu, nul ne l'a jamais vu, ça veut dire Dieu reste un mystère, et c'est Jean, l'apôtre le plus proche de Jésus-Christ qui le dit, c'est significatif que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, qui est écrit dans la Bible, mais on dit à ce moment-là Adonai, que pour vous, les musulmans, il y a 99 noms de Dieu et qu'on ne connaît pas le centième, c'est une manière de dire « personne ne peut mettre la main sur Dieu ». Donc le premier verset, la première partie du verset, je dis « c'est ce qui nous est commun à Juifs, chrétiens, musulmans ». Dieu, nul ne l'a jamais vu. Il reste de l'ordre du mystère. C'est vrai que ce dont nous témoignons comme chrétiens, c'est la deuxième partie de ce verset, je le recite, « Le Fils unique qui est tourné vers le Père nous l'a révélé. » Et comme vous le disiez, c'est écrit dans le livre, c'est vrai que pour nous chrétiens, la parole de Dieu,
s'est faite chair, c'est ce que dit saint Jean, en la personne de Jésus-Christ. Et là, il y a une différence entre la foi des chrétiens et la foi des musulmans. Donc, nous croyons en un seul Dieu, c'est ce que dit le Concile dans la phrase qu'a citée Jean Jésus tout à l'heure, c'est dans un texte important, c'est dans la Constitution sur l'Église, qui dit « Avec eux, nous adorons le Dieu unique ». Et, bon, moi j'ai vécu 9 ans en Égypte, quand on prêtre célèbre la messe en Égypte, en langue arabe, puisque c'est la langue des Égyptiens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à la fin de la messe, quand on prononce la bénédiction, on dit Allah yubarifik al-ab wal-im wa ruh al-kudus lillahi al-wahid, amin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, l'Esprit, Dieu unique, pour les siècles des siècles. Donc les on y reviendra, je pense, mais nos amis chrétiens d'Orient disent bien Dieu unique. Seulement, nous ne disons pas la même chose sur Dieu, mais je crois que la différence fondamentale, dans l'échange avec Tariq, moi ça m'était apparu, c'est moins comme on le dit quelquefois sur la Trinité que sur ce que les chrétiens appellent l'incarnation, c'est-à-dire que pour nous, la parole de Dieu ne s'est pas faite libre, mais elle s'est faite chair, elle s'est faite homme, ce qui, de fait, est scandaleux quelquefois aux oreilles d'un musulman. Donc voilà, nous croyons en un seul Dieu, nous ne disons pas la même chose sur Dieu, et nous sommes tenus de dire ce que chacun d'entre nous avons reçu dans notre révélation. Donc, tenir ce qui est commun et tenir les différences. Et je prendrai un exemple très concret. On a eu la chance et en même temps, je crois, beaucoup d'émotions, il y a 10 jours, avec Tariq, de faire partie d'une délégation où nous étions ensemble, des Français, chrétiens et musulmans, rendre visite, aller à la rencontre, je préfère, des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban. Et j'étais frappé, celui qui présidait la délégation, c'était Mgr Marc Stinger, comme président de Pax Christi, évêque de Troyes, et comme personnalité religieuse musulmane, il y avait Tariq. Et il y avait aussi le secours catholique et le secours islamique. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on essayait de dire pourquoi nous venions là, on n'est pas avec des dollars, on n'est pas, hélas, avec un cessez-le-feu que les gens attendent. À chaque fois, que ce soit Mgr Stinger ou Tariq Oumrou, il disait « La détresse d'un frère humain, c'est quelque chose qui est premier pour nous, on ne peut pas passer à côté. » Et nous venons ici, pas seulement comme humanitaire, mais comme croyant en Dieu. Voilà, je voulais souligner ce qui est pour moi une conséquence concrète de dire « nous croyons en un seul Dieu », ça veut dire aussi que nous portons un regard sur l'homme et que dans des situations comme celle que nous n'étions que de passage, mais cette mission que nous avons vécue ensemble, je crois qu'il y avait quelque chose de partagé en commun. Alors ensuite, une même famille monothéiste, puis après je vais laisser la parole à parler, il y a beaucoup de polémiques à ce sujet. Ce que je dirais, c'est que, et ça a été dit y compris par le pape Benoît XVI, c'est contesté quelquefois dans certains milieux catholiques, mais nous nous reconnaissons les uns et les autres, les textes du Concile le disent, pape Benoît XVI l'a repris plusieurs fois, dans la figure spirituelle d'Abraham, comme témoin de la foi en Dieu et comme témoin de l'obéissance par toute sa vie à Dieu. Donc ça, c'est pour moi un héritage spirituel commun. Ensuite, on peut discuter sur l'histoire, sur l'archéologie, mais ce qui est important, c'est cette figure spirituelle. Donc je dirais, les uns et les autres, nous sommes monothéistes. Les uns et les autres, d'abord, nous faisons partie de la même famille qu'est l'humanité. Et je crois que notre foi en Dieu et un certain sens de l'homme nous rendent proches et nous rendent capables de faire des choses ensemble. La question. Oui, c'est la même question. Alors, les textes du Coran, vous parlez Jésus comme étant, vous citez le verset, le Sourate 2, verset 136, en parlant du Verbe émanant de Dieu, et en même temps Esprit Saint. Quel est le statut de Jésus dans le Coran? Toujours dans cette perspective de
de réduire les distances théologiques entre chrétiens et musulmans. Écoutez, d'abord, il faudrait souligner que nous croyons au même Dieu unique. Ça, c'est un point commun. Et donc, l'islam ne remet pas en cause la croyance du chrétien en tant que croyant dans l'unicité de Dieu. Sauf que nous n'en avons pas la même interprétation. Déjà, l'unicité chez les musulmans a fait couler beaucoup d'encre théologique, ce qui n'est pas évident. L'unicité, qu'est-ce que c'est qu'unique avec des milliers de noms et d'attributs, il n'y a pas que 99, il y a des milliers. Il y a ceux qui sont connus, il y a ceux qui ne sont pas connus. Donc, même les 99 ne sont pas connus parce que le hadith qui les rapporte est un hadith apocryphe. Et donc, l'unicité, c'est simple et c'est compliqué. C'est pour cette raison que je dis à mes frères chrétiens, je vous rassure que l'unicité est aussi compliquée que la Trinité. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que les musulmans, ils ont développé des volumes et des volumes sur l'unicité de Dieu. Si c'était quelque chose de très simple, eh bien, il n'y aurait même pas de théologie spéculative et théologie mystique sur le mystère de cette unicité de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir la main, comme vous dites, comme tu dis, sur Dieu. On a des convictions, mais on n'a pas de certitude. On a des convictions, on a une croyance, mais on n'a pas de certitude. Et donc, nous croyons tous en un Dieu existant, agissant, se manifeste, il est actif, communiquant et se manifestant, même si on n'est pas d'accord sur les manifestations de Dieu, mais on sait qu'il se manifeste, il s'intéresse à la condition de l'homme, il n'a pas créé l'homme et il l'a laissé comme ça, éjecté dans l'univers, non, il s'intéresse à la petite condition de l'homme perdu dans une planète qui s'appelle la Terre, elle-même perdue dans une galaxie, mais il s'intéresse à ce petit élément de l'existence, et exigeant, parce qu'il attend un retour. Donc on est quand même assez d'accord sur un ensemble de choses. Maintenant, plus on entre dans l'économie de la théologie unicitaire, eh bien, là, il y a forcément des divergences. Mais au fond, on a la croyance, on a même Dieu, créateur. Jésus, effectivement, même dans la tradition musulmane, est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Mais par création et pas par engendrement. Donc ça, c'est une disputation théologique, d'une certaine manière. Hein. Donc c'est rien du tout, mais c'est immense également. Donc, le Verbe de Dieu, Kalimatullah, Jésus est le souffle de Dieu, Rohamba, le souffle, mais un souffle qui est créé, déposé dans le ventre de la Sainte Marie. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est un miracle. Et donc pour nous, Jésus n'est ni fils de Dieu céleste, ni fils de Joseph. Il n'a pas de père, c'est ça son miracle. Maintenant, oui, il est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Mais à ne pas confondre le Verbe de Dieu avec Dieu. Donc les musulmans ne confondent pas le Verbe de Dieu avec Dieu. C'est toute une problématique chez les théologiens. Les attributs, est-ce qu'ils font partie de l'essence de Dieu ou non, on va entrer dans cette disputation, c'est compliqué, complexe. Et donc la théologie musulmane s'est développée grâce justement à cette problématique de la Trinité. Donc s'il y a. Bon, c'est grâce justement à cette notion d'incarnation de Trinité que la théologie spéculative musulmane s'est développée et a touché même d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec la Trinité. Donc vous voyez, la rencontre de l'islam avec la théologie musulmane a développé réversiblement la théologie musulmane, laquelle théologie spéculative musulmane a à son tour a influencé bien sûr la scolastique chrétienne si on fait l'archéologie de Saint Thomas, la pensée de Saint Thomas d'Aquin qui remonte à Averroès, etc., vers le Grand. Il y avait une disputation, il y avait un dialogue. L'islam était présent en Occident par la pensée, pas par la présence physique, mais par la philosophie, par la théologie. Donc il y avait des échanges au Moyen-Âge, contrairement à la situation actuelle. Il y a des rencontres physiques aujourd'hui, mais il n'y a pas de rencontres intellectuelles entre l'islam et l'Occident. Donc effectivement, la distance entre l'islam et le christianisme est mince, mais considérable, en même temps. Charles, vous
voulez qu'on laisse la parole au public avant de poser votre question pour vous inciter à... Sur ce point de Dieu unique, sur le statut de Jésus dans le Coran, sur les points communs. Sinon, j'enchaîne. C'est sûr que c'est un peu dense. On peut continuer. Alors, vous avez abordé par la suite la question du salut. Et le recteur a souligné cette gêne chez les prêtres, mais moi aussi je l'ai rencontré la dernière fois, je faisais un débat avec un pasteur et un rabbin. Cette méfiance ou cette, comment dirais-je, prudence dès qu'on aborde la question de l'enfer. Et le recteur vous l'a dit, ouais, il y a bien une justice divine, mais ce qui est surprenant, même pour nous les musulmans, pas pour moi parce que je suis son disciple, mais pour les, vous l'avez dit, pour les musulmans, vous parlez du salut universel, que même l'enfer en tant que purgatoire n'est qu'un passage, mais à la fin il y a le salut universel, même pour les incroyables. Je trouve que quand même là il y a des idées, j'aime pas le mot révolutionnaire, mais quand même qui peuvent faire bouger les choses. Alors pourquoi cette méfiance dès qu'on parle de l'enfer en tant que justice divine chez les... Il est prêt. D'abord, pour nous, la justice divine, effectivement, il y a d'abord, on lisait, la première lecture qu'on lisait dans les églises et les temples ce dimanche a été tirée du livre de Ben Sirac, donc c'est un texte de sagesse, et il commençait, qui remonte à 25 siècles à peu près, le Seigneur ne fait pas de différence entre les hommes. Donc cette idée que l'amour de Dieu est universel, j'allais dire, elle ne date pas du Christ, elle était déjà présente dans la réflexion du peuple juif, comme le soulignait Tariq tout à l'heure, en contact avec les autres civilisations voisines, et d'une réflexion sur l'universalité de l'amour et de la justice de Dieu. Donc ça, ce serait le premier point. Le deuxième, c'est que dans l'Évangile, il est quelquefois question d'enfer, mais le focus, le projecteur, est d'abord mis sur la manière dont le croyant est invité, c'est le commandement qu'indique Jésus, à aimer Dieu et à aimer son frère. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, il y a une parabole, donc une histoire, qui est celle du jugement dernier, où, qui se retrouve dans un hadith d'ailleurs, où le Seigneur dit « J'avais faim, tu es venu m'apporter à manger, j'étais malade, tu es venu me visiter, j'étais en prison, tu es venu me visiter. » Et les gens qui sont là, qui sont appelés les justes, disent « Mais on t'a jamais vu. » Et la réponse c'est « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc c'est vrai que quand on prend la parabole de Matthieu 25, le critère, j'allais dire, du salut de Dieu, c'est l'amour que chaque être humain aura vécu, donné, dépensé dans sa vie. C'est ça le critère qui est mis en avant par le Christ. Alors c'est vrai que si on prend cette parabole, il est dit que les élus sont invités à rentrer dans... texte dans l'évangile, c'est le royaume, et que les autres, ceux qui n'ont pas su témoigner d'amour pour leur prochain, il y a mention de l'enfer. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre prédication de prêtre, on met l'accent sur l'amour universel de Dieu. On dit aussi, ça fait partie de la foi chrétienne, que, et c'est une différence théologique avec les musulmans, que Jésus a librement donné sa vie pour tous les hommes, pour l'humanité. Et il y a un texte du Concile, c'est numéro 5 de la Constitution qui s'appelle « Joie et espérance »,« Gaudium et Spes », dit que pour nous chrétiens, d'une manière que Dieu connaît, tout homme est associé à ce mystère de salut qui est vécu par le Christ. Donc pour nous, le salut, c'est d'abord la miséricorde de Dieu, l'amour de l'être humain, la justice qui vit dans sa vie,
C'est ça qui est important. Alors ensuite, c'est vrai que dans l'Église catholique, il n'y a jamais eu de dogme édicté à propos de l'enfer. L'enfer existe. On dit aussi traditionnellement qu'on ne sait pas s'il y a des gens qui sont dans cet enfer, parce qu'on ne connaît pas la puissance de la miséricorde de Dieu. Alors vous disiez, c'est révolutionnaire de penser qu'un incroyant puisse être sauvé. Il est dit dans la tradition d'Église que si quelqu'un marche, et c'est déjà écrit par Paul, et ça a été repris ensuite, selon sa conscience droite, et obéit à sa conscience droite, il peut accéder à Dieu. Donc, nous invitons les gens, de fait, à croire et à adorer Dieu. Nous invitons les gens à pratiquer ce qu'a demandé Christ, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ensuite, je dirais qu'effectivement, l'enfer ou le ciel, ça relève de Dieu, et c'est vrai que c'est pas là-dessus que nous faisons porter l'essentiel de notre prédication, non pas par peur, mais parce que je ferai référence à une des premières mystiques de l'islam. J'enseigne une introduction à la mystique musulmane à l'Institut catholique à Paris. Et j'aime bien Rabia al-Adawiya. C'est une femme qui a été parmi les premières mystiques de l'islam. Je cite de mémoire, de toute façon, c'est pas elle qui a écrit, c'est ses disciples qui ont rapporté. Et elle dit, j'aimerais brûler le paradis et noyer l'enfer pour que les croyants aiment Dieu pour lui-même et non pas par peur de l'enfer ou par désir du paradis. Et j'allais dire, moi je me retrouve assez dans cette phrase de Rabia al-Adawiya. Il est vrai que le christianisme et l'islam se veulent comme religion du salut. Donc prosélyte, missionnaire, parce qu'ils considèrent que la foi se partage, ne se garde pas pour soi-même, donc ils témoignent de leur foi pour la partager avec autrui, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de garder cette perle pour eux-mêmes. Donc c'est une forme de générosité, à condition que la générosité ne se transforme pas en dissimulation et en persécution. Donc partager ne veut pas dire imposer. Et donc, il est vrai que le Coran insiste sur la justice divine, mais surtout sur la bonté divine. Dieu est juste, mais il est surtout bon. Donc, sa miséricorde l'emporte de loin de sa colère. Sa colère n'est pas un attribut, parce que c'est passager. Par contre, la miséricorde, c'est un attribut d'essence permanent et éternel de Dieu. Donc, sa colère est passagère, elle n'est pas éternelle. Donc, là, je suis un peu dans la théologie des noms des attributs. Donc, les savants musulmans sont tous d'accord que la colère, c'est un moment de colère, mais elle n'est pas éternelle. Quant à la miséricorde de Dieu, elle est pérenne et éternelle. C'est pour cette raison, une partie des Hanbalis et beaucoup de théologiens considèrent que l'enfer n'est pas éternel, alors que le paradis est éternel. Parce que le paradis incarne la miséricorde de Dieu, et l'enfer symbolise la colère de Dieu. Mais personne n'est sûr de rien. Ce qui est dramatique, c'est que les gens qui croient en enfer ne font rien pour l'éviter. C'est ça qui est dramatique. C'est les gens parlent l'enfer, mais on dirait qu'ils n'y croient pas. Parce qu'au quotidien, ils font toutes les bêtises imaginables des possibles. Normalement, ils doivent être effrayés par l'enfer et éviter les bêtises. Mais dans la réalité, c'est du papotage et du glame, la parole, mais. Donc, en vérité, l'enfer constitue une dissuasion. Une dissuasion. Et le musulman, il croit en la grâce de Dieu. Là, on va entrer dans un autre sujet qui est l'ancien débat entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, les jansénistes, les jésuites, est-ce qu'on est sauvé par la grâce ou bien par les œuvres? On sait que dans la tradition musulmane, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent.
mais c'est l'acte gratuit de la grâce de Dieu. C'est ça qui nous tient dans l'humilité. C'est ça, dans l'humilité. On n'attribue rien à notre force parce que tout nous a été donné. La piété, la lucidité, le discernement, le message. Seul celui qui a reçu le message qui est responsable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire la rencontre et le prophète et la vue des miracles, seule cette population est responsable aux yeux de Dieu. Les autres populations qui n'ont pas vu de miracles, qui n'ont pas vu de prophètes, qui n'ont pas reçu le message clair, ben là, remobile, dit le Coran, eh bien, ne sont pas responsables aux yeux de Dieu. Et donc, on ne peut pas s'avancer sur l'avenir des gens compte au jour du jugement dernier. Il ne faut pas dire, puisqu'ils ne sont pas croyants, donc ils sont dans l'enfer, et on tire des conclusions normatives de rupture avec les non-croyants. Parce qu'il y a des gens qui, puisqu'ils ne sont pas croyants, donc ils sont dans l'enfer, donc je peux me permettre de faire n'importe quoi avec eux. Cette confusion entre les normes eschatologiques et les normes de la charia qui font que la charia chez certains musulmans est comme quelque chose de l'eschatologie. Et donc on ne peut pas se mettre à la place de Dieu et distribuer des places au paradis ou en enfer parce que c'est Dieu qui a son monopole. Mais nous considérons que l'homme n'est pas créé pour le châtiment éternel. Ça veut dire il y a une forme d'apocatastase, c'est-à-dire la restauration par l'épreuve. La vie, les fautes, l'épreuve dans la tombe, le jour du jugement dernier. Mais l'homme n'est pas destiné à rester éternellement dans la souffrance. La souffrance finira un jour ou l'autre. Et c'est la félicité et le bonheur qui est éternel. Donc l'homme n'est pas créé pour être châtié, pour être restauré. Parce que l'homme, au départ, est créé croyant. Mais sa nature l'a éloigné de cette prime nature. Et donc les épreuves, et même la purgation, pour ceux qui ont reçu le message et l'ont refusé en connaissance de cause, eh bien, la punition, entre guillemets, est restauratrice, c'est-à-dire au service de l'être humain, pour être enfin dans la félicité et le bonheur. Mais c'est le bonheur qui est le projet de Dieu pour l'homme. Je vais juste souligner que ce que vient de dire Tari me semble très important. Je repense à une conversation dans la cour de la fac à Suez, donc, où j'enseignais le français, et où des étudiants me disent « Monsieur, puisque vous n'êtes pas musulman, vous irez en enfer. » Et on entend la même chose chez les chrétiens. Et je crois que c'est très important. Moi, ma réponse était de dire, en langue arabe, on dit « Allahu a'lam ». C'est Dieu qui sait qui ira éventuellement en enfer, avec les mots que vient de dire Tariq, et qui ira au ciel. Et je crois que c'est très très important parce que ça peut avoir des conséquences très concrètes. Tariq l'évoquait, on dit, puisque c'est un mot qu'on entend quelquefois aujourd'hui, qu'on n'entendait pas il y a 15 ans en France, ça peut être des deux côtés. Mais il est arrivé d'entendre, puisque ce sont des mécréants, on ne va pas les considérer. Et ça, je crois que c'est très important de dire, attention, le jugement dernier, c'est le jugement de Dieu. Et que nous sommes chargés d'être chacun fidèle, comme tu disais, au message qu'on a reçu. Et tu insistais, et ça je crois qu'on est d'accord là-dessus, sur le fait que c'est la grâce de Dieu qui est première, et que si l'homme est sauvé, c'est par grâce de Dieu, mais c'est pas d'abord en fonction de ses mérites. Je crois que c'est très important, le regard que l'on porte sur l'autre, et de dire que chacun est fidèle à sa conscience, mais c'est Dieu qui jugera au dernier moment, et c'est pas nous qui sommes capables de dire, même si chacun est fidèle à son message, et tout à l'heure, Tariq le disait, c'est vrai que je crois aussi très important de dire que c'est Dieu qui convertit. Moi, j'ai reçu une parole, et je suis tout à fait d'accord, on se retrouve sur cette expression-là, la parole qu'on a reçue, on ne peut pas la garder pour soi. Donc on la partage, mais je suis chargé de porter et de dire cette parole, mais c'est Dieu qui convertit les cœurs, et c'est pas moi, ni lui, ni un autre. Oui. Je vais vous poser une question concrète. Oui. La deuxième partie de l'ouvrage, je suis vous incitez à les lire, et vous les dites vous-même dans l'ouvrage, que, en tout cas, ça...
le dialogue islamo-chrétien à Bordeaux est un dialogue d'une grande profondeur, fraternel et franc, mais ce n'est pas un dialogue de courtoisie. Parce que le fait qu'on peut parler de tout. Vous me permettez, vous êtes invité aujourd'hui, mais je vais essayer de vous parler franchement. Parce qu'à la fin, tous les deux, quand on vous lit, on est optimiste, théologiquement parlant, spirituellement parlant. Mais à la fin, vous, tous les deux, vous êtes rattrapés par la réalité lorsque vous évoquez Christophe dans la page 140, en parlant du statut de. Et d'ailleurs, c'est la même, c'est la position de l'Église. Hein, vous parlez du statut des chrétiens d'Orient. Et là, vous reprenez à votre compte cette thèse qu'on lit dans les journaux, mais que les historiens et les chercheurs sérieux remettent en cause. Vous parlez du statut des demi. Vous dites la même chose que dans le point où on l'express, que ce sont des citoyens de seconde zone, le statut de protégés. Et vous dites que les minorités religieuses chrétiennes vont vivre sous ce statut de demi pendant tout le temps qui durera à l'Empire, et disparaissent juridiquement avec l'émergence des États-nations, mais perdurent dans les mentalités et dans les faits. Et vous parlez de leur exclusion politique, leur exclusion économique, et vous parlez aussi de ce risque de vous prenez à votre compte des thèses journalistiques de massacre de chrétiens. Alors, je connais très bien les sujets pour avoir travaillé sur ce sujet, et je vous cite les spécialistes qui ont travaillé sur ce sujet. On sait très bien, parce que je suis politologue de formation, que ce sont des États totalitaires qui massacrent aussi bien les musulmans que les chrétiens. Et c'est prouvé aujourd'hui que ce qu'on appelle des groupes islamiques armés, même s'il y a des militaristes, c'est une réalité, mais le plus souvent ce sont des créations des États pour entretenir le conflit confessionnel. Donc c'est la religion qui est prisonnière des politiques et non pas le contraire. Est-ce que vous vous êtes bien documenté avant de la fin? Oui. Non, d'abord, vous avez lu la page. Et donc, j'ai bien dit que le statut de Zimmi comme statut juridique n'existait plus avec la fin de l'Empire ottoman. Mais moi, j'ai vécu 9 ans en Égypte, et c'est ce que j'affirme. J'affirme à partir de mon expérience que, jusqu'au temps de Moubarak, ensuite c'est plus compliqué aujourd'hui, mais les chrétiens sont de fait, c'est ce que je dis dans le livre, pas juridiquement, mais des citoyens de seconde zone. Un chrétien ne peut pas être gouverneur en Égypte. Un chrétien ne peut pas être recteur d'une faculté. Un chrétien ne peut pas être doyen d'une faculté. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui ne sont pas inscrites dans les textes. Donc, je ne me fais pas le défenseur des chrétiens d'Orient n'importe comment. On en a été témoins ensemble quand on était l'autre jour en Jordanie et à Beyrouth, où ce sont Mgr Mahmoud Naham, qui est évêque à Amman, ou le patriarche Bishara Rai, qui est le patriarche des Maronites, qui nous ont dit « Attention, il ne s'agit pas de défendre comme tel les chrétiens d'Orient, donc des responsables, mais ce que nous défendons, c'est la citoyenneté. » Et sur ce plan-là, pour le moment, si on prend les pays où moi j'ai vécu, il n'y a pas une citoyenneté dans les faits. Ce que demandent les chrétiens, c'est pour ça que c'était le sens de mon intervention, c'est qu'on sorte de minorité-majorité. L'ensemble des évêques catholiques au Moyen-Orient, dans une réunion à Rome, ce qu'on appelle la synode, ont dit, nous réclamons, alors ensuite on peut discuter, Daoula Madaniya, c'est-à-dire un État, ça fait bizarre quand on traduit en français, civil, ça veut dire où ce n'est ni la religion, ni l'armée qui dirige l'État. Et on demande Ouattana, la citoyenneté. Donc c'est ça. Ensuite, dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune attaque contre des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, là je dis non. Je prends l'exemple du Pakistan, où il y a une loi sur le blasphème qui est utilisée parce que votre voisin vous a piqué une terre, on dit il a attaqué le Coran Mohammed et la personne est immédiatement mise en prison. Donc, si je prends des cas précis. Dans le cas du Pakistan, cette loi sur le blasphème que le gouvernement ne veut pas retirer est un scandale par rapport à l'usage qu'en effet vis-à-vis des chrétiens. Ça, c'est quelque chose de très précis. Deuxième point très précis, en Malaisie, la Cour constitutionnelle, l'instance suprême, a interdit
aux chrétiens d'utiliser le mot Allah en disant « c'est réservé aux musulmans ». Mon voisin dit n'importe quoi, et j'ai un vêtement liturgique que portent les prêtres pour dire la messe, ça s'appelle une étole de couleur sur laquelle il y a marqué « Allah mahabba », « Dieu est amour », on ne peut pas traduire en arabe l'évangile de saint Jean autrement que comme ça. Donc voilà, je prenais ces deux faits précis. Alors, ça touche les gouvernements. Ensuite, hélas, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il peut y avoir une manipulation de groupes dits islamistes par les États, mais on est quand même obligé de constater, on est obligé de constater qu'il y a des chrétiens qui sont attaqués aujourd'hui en Irak ou en Syrie ou au Pakistan parce qu'ils sont chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musulmans qui sont victimes. Et pour ma part, et je le dis ici comme je le dirai si je suis interrogé dans une semaine à Lourdes à l'Assemblée des évêques, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose pour nous, chrétiens d'Occident, c'est que on proteste quand il y a des chrétiens qui sont tués, et hélas, quand on fait les statistiques des victimes, c'est terrible. Si vous prenez la Syrie ou l'Irak aujourd'hui, il y a beaucoup plus de musulmans qui meurent que de chrétiens. Le ministère des Affaires étrangères en Égypte a été tenu pendant des longues années, jusqu'aux années 90, par une famille chrétienne qui s'appelle Boutoussène, l'ancien secrétaire général de l'ONU. C'est une famille chrétienne. Vous avez cité les frères musulmans, aujourd'hui, forces politiques. Vous avez dit qu'il y a un débat sur la Constitution. Il y a un débat sur la Constitution. Tout le monde est d'accord que c'est le statut de citoyenneté qui va prévoir. Il ne s'agit pas de parler d'État islamique, c'est déjà une avancée énorme. J'ai consulté moi-même les listes, autant de Moubarak, où il y avait des régimes autoritaires, sur des listes frères musulmans, il y avait, dans les listes électorales, il y avait des coptes. Donc, il ne faut pas qu'on tombe. J'ai dit qu'il y a des dérives, qu'il y a des exceptions. Le mot Allah, tous les chrétiens d'Orient, au Liban, en Syrie, utilisent le mot Allah. Donc, on a, pour faire marcher les choses et pour rapprocher nos communautés, on doit éviter un peu de mettre l'accent sur ces dérives. Ça existe, je dis pas le contraire, mais aussi il faut qu'on insiste sur la réalité des rapports entre chrétiens et musulmans. Par exemple, parler de. Le cas de l'Azerbaïdjan où les églises et les synagogues sont construites, pourtant c'est un pays laïque, en majorité musulmane, les églises et les synagogues sont aussi construites par l'État, qui se réclame de l'islam, mais aussi par des mécènes, ce qui m'a, monsieur Mouslim peut en témoigner, des synagogues construites par des mécènes musulmans. Donc quand on revient au texte et à la réalité historique, il est de notre intérêt de mettre l'accent sur ce qui marche, ce qui a toujours marché, et non pas sur les dérives, sur les exceptions. Oui et non. C'est-à-dire, je suis d'accord pour mettre l'accent sur ce qui marche, mais on en a parlé plusieurs fois avec Tariq Ourou, avec Azim Gassi à Lyon. Dans la réalité française, et ça je crois qu'il faut qu'on cède entre chrétiens et musulmans, sont aussi présents dans notre pays. Je vous cite une phrase d'un responsable musulman qui me dit « Avec vous, le dialogue, ça marche, mais maintenant qu'il y a des chrétiens qui viennent d'Orient, il y a des problèmes. » Mais c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, il y a des chrétiens d'origine irakienne ou syrienne présents à Bordeaux, je ne sais pas, mais à Lyon, à Sarcelles, par exemple, dans la banlieue parisienne. Ils n'ont pas le même point de vue que nous. Nous, notre travail est de leur dire « Attention, on n'est pas au Moyen-Orient, on est en France. Il y a une histoire des relations entre chrétiens et musulmans en France qui n'est pas celle qui existe au Moyen-Orient. Donc je suis d'accord avec vous, mais en disant qu'il faut qu'on regarde la réalité en face. Et effectivement, le challenge, le défi dans lequel nous sommes aujourd'hui ici en France, c'est comment peut-on vivre dans notre pays avec des valeurs communes, qui nous soit commune, donc c'est tout le travail sur l'éducation et la formation, et en tenant compte aussi des différences. Donc voilà, il ne faut pas que reprendre cette expression. Et alors la difficulté aussi, c'est qu'avec les chrétiens d'Orient, moi j'ai entendu Tariq, mais il est capable de le dire ce soir tout seul, l'autre jour on était à Pantin ensemble, dire il faut que nous, musulmans, on soit attentifs aussi à ça.
Et ce qui, je pense, va être délicat dans les mois qui viennent, c'est que ça devient aussi un enjeu politique. Et ça, je crois que... je ne sais pas comment va se dérouler l'avenir du dialogue interreligieux dans notre pays, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut que les croyants et les responsables religieux, j'allais dire qu'ils sont assez grands pour mener ce dialogue et ces relations entre eux, et que le dialogue interreligieux ne devienne pas un enjeu politique en vue d'élection ou pas d'élection, mais voilà. À la page 148, la réalité des fidèles, c'est qu'ils vivent au quotidien et pas toujours gouvernés par les convictions religieuses. La politique, les cultures, les traditions, l'anthropologie se mêlent à la religion et viennent perturber les discernements. Écoutez, comme tu l'as bien dit, il faut insister sur les choses qui marchent, mais il faut dénoncer les aberrations également. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il y a l'ensemble de l'État-nation, dans la réalité, comme il a été dit, c'est que la dignité reste, cette race reste encore dans les mentalités des théologiens. Mais avec qu'à suivre les cours de l'Azhar, etc., ils sont encore dans le fer du Moyen-Âge. La dignité à cette époque-là était une révolution copernicienne, parce que protéger les minorités, c'est déjà les protéger. Il n'y avait pas l'État-nation, il y avait les empires, les minorités, etc. On n'était pas encore dans le paradigme de l'État-nation. Il ne faut pas commettre des anachronismes. Lorsque le prophète et le Coran, ils ont dit « Attention, les minorités doivent être protégées », c'est « Attention, ils ne partagent pas la foi, ils sont vulnérables, donc vous devez les protéger. » Donc il y a tout un droit de protection des minorités, etc. Bien sûr, il y a la citoyenneté au Moyen-Âge, en Europe, c'est la même chose. Au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, il y avait des califes. Il y avait des ministres juifs et chrétiens à l'époque des califes. Ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Au contraire, on a exterminé tous les juifs et les chrétiens en Espagne. Ils se convertissent, on les expulse. Oui, voilà. C'est encore d'autres chrétiens d'Orient. Donc effectivement, il ne faut pas commettre des anachronismes. Donc maintenant, on est dans l'internation, il faut la citoyenneté, il faut vraiment la mettre en relève. Mais le problème du monde musulman, c'est pas le problème religieux, c'est le problème des libertés. La liberté, la démocratie, c'est ça. Il faut défendre la liberté, la démocratie, que chacun choisisse la religion qu'il veut, des règles communes, la constitution, la citoyenneté. C'est ça le vrai problème. Maintenant, on mobilise l'ethnicité et la religiosité pour des fins économiques et politiques, tout simplement. Il y a aussi un discours littéraliste dans l'Arabie Saoudite et la centrale, le wahhabisme, hein, le chiisme, le problème du chiisme et du sunnisme. Donc on mobilise cette théologie du Moyen-Âge, mais pour des raisons politiques complètement modernes. Hein, donc il y a donc beaucoup d'instrumentalisation. Qui instrumentalise qui? Mais en tant que citoyen français, en tant que croyant musulman, je dois dénoncer l'injustice. C'est vrai qu'il y a de l'exclusion des chrétiens au Moyen-Orient, il faut dénoncer ça. Sans exagérer, bien sûr, il faut relativiser les choses. Donc il faut toujours choisir la voie de la justesse, d'être le plus juste possible. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat et je vous invite à... L'ouvrage se trouve au fond de la salle. Et surtout que vous m'avez permis de respirer un peu, de sortir un peu des questions de quick halal et de voile intégrale. Alors nous, à Bordeaux, on a le séminaire théologique des prêtres et des imams, mais nous aussi ouverts à ceux qui s'intéressent à ces questions. On a aussi le dialogue interreligieux des adolescents, hein, qu'on organise chaque année des rencontres dans les églises, les mosquées et les synagogues entre les lycéens. On parle aussi des questions théologiques. Alors on a lancé aussi le projet avec Georges des cafés théologiques, on va essayer de faire le tour des mosquées, mais aussi, même si ça se fait timidement, de faire le tour dans les mosquées et les églises pour essayer de réduire ces distances théologiques entre les musulmans et les chrétiens et de trouver les points communs. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Marc.